Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de coque pour le Samsung S7 Edge, donc mon téléphone. Je vais vous montrer mes petites pépites et je vais vous dire où je les ai trouvées. Je vous montre en gros les coques que je vais vous présenter. En quoi je vais vous dire où j'achète mes coques. À part 2-3 qu'on nous a offert, toutes les autres ont été achetées par moi ou mon mari. Donc on les achète sur AliExpress ou Amazon ou Wish. Je vous en montrer quelques-unes, donc j'ai été super contente au début, mais ce sont des coques qu'il faut savoir ne durent pas très longtemps. Voilà, ce sont ces coques-là en plastique. Il y en a que j'ai acheté sur Wish et il y en a sur Amazon. Donc celle-ci était vraiment ma préférée de chez préférée. Voilà, c'était le château. Il y avait écrit plein de trucs, je la trouvais trop belle. Voilà, un mois d'utilisation et voilà le résultat. Donc je suis un peu déçue parce que c'est une coque vraiment je trouvais trop mignonne que j'ai achetée sur Amazon à 6€. Donc je vous la conseille pas. Vous pouvez en profiter à fond, mais pas longtemps. Toujours dans ce principe-là, j'ai ma Stitch qui est trop mignonne, qui, elle, n'a pas bougé. C'est une des rares. Un petit peu abîmée, mais vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'était la coque que je portais dernièrement. Donc, mon téléphone porté, elle est trop mimi. Et elle, c'est pareil, je l'ai achetée sur Amazon. Et là, ce sont deux que j'ai achetées sur Wish. Je les ai payées 2€ l'une. Donc voilà, c'est pas énorme. Mais comme vous pouvez voir, voilà, ça part direct, quoi. Pourtant je l'ai pas beaucoup porté, mais bon, c'est comme ça. Et c'est un peu incompréhensible parce que là en bas ça a pas du tout bougé, mais alors là-haut, c'est un peu la cata. Et cette autre de Stitch qui, elle, à part Stitch ici qui a pas bougé, vous voyez tout autour, ça commence à disparaître. Donc voilà, si vous achetez des coques comme ça, je vous conseille pas. Bon après si vous les avez payé 1€, c'est rien, mais si vous les payez 6€, comme pour moi pour celle-ci, ben après on est super déçus. Après j'ai celle-ci, Never Stop Dreaming, qui elle est en plastique mais tient mieux à part les bords, vous voyez, qui ont commencé à s'effriter un peu. Mais celle-là je l'ai vraiment beaucoup portée. Pour l'utilisation faite et vu comme elle est abîmée, c'est rien du tout. Vraiment pas, celle-là est très bonne qualité. Après il y a cette coque-là que j'ai personnalisée, ou que je peux personnaliser à volontiers. En fait c'est une coque transparente qui était à mon homme mais... il a mis un temps, après il a vite repris la sienne qu'il préfère, donc je l'avais récupérée. Et donc c'est vrai que je mets toujours des photos de nous, je la personnalise, je change régulièrement. Et c'est une coque qui s'abîme pas et qui est assez rigide et qui tient le choc quoi. Après dans les coques simples, j'ai celle-là qui est noire brillante. J'ai cette rose-là, donc ça c'est la première que j'ai achetée quand j'ai eu mon téléphone. Après pour mon homme, j'ai acheté cette coque-là qui est hyper solide pour son boulot, qui est parfaite. Voilà, qui protège le téléphone en haut, en bas, qui est vraiment au top niveau protection. Ma petite sœur m'a offert cette coque là. Ma petite sœur aime vraiment les coques qui protègent le téléphone de partout, donc c'est pour ça qu'elle m'a acheté celle-ci, qui est costaud, vraiment, qui est pas mal du tout. Je l'ai bien utilisée, c'est vrai qu'on voit que ben, je la mets souvent comme ça. Bon, sauf que pour prendre les photos, c'est un peu galère parce que voilà. Mais bon, c'est une coque sympa. Et qui protège bien le téléphone. À mon homme, ma petite soeur lui avait offert celle-ci, qui est aussi une coque personnalisée. Mon homme est fan de lion. Qui est sur le même principe que la mienne. Là, on peut la poser comme ça. On peut faire comme avec les iPads, comme ça. Ou les tablettes. Et là, je vous présente les dernières coques que j'ai reçues, que j'ai commandées dernièrement sur AliExpress. Vous allez comprendre de suite, je suis pas du tout fan du Docteur Who. Mais alors, pas du tout. Hein. C'est que le TARDIS ou le Docteur. Ainsi que celle-ci. Donc ce sont mes dernières coques. Et il faut savoir qu'en fait j'en ai commandé que 4. Et au final j'en ai reçu 3 gratuites. J'ai pas compris. Voilà, je remercie parce que ça me fait plaisir. Et ce sont des coques aussi que j'avais sélectionnées dans mon panier mais que j'avais pas décidé d'acheter. Parce que je me suis dit c'est bon, je vais en avoir acheté 10 000. Donc je suis super contente. Alors je vous montre les 4 coques que j'ai achetées. Là, bon bah ça c'est mon docteur préféré. C'est le numéro 11. Le TARDIS. Le signe du Docteur Who et toujours mon docteur préféré. Voilà. Je les trouve trop jolies. Donc ceux-là, ce sont les 4 que j'ai commandées. Celle-là, je l'ai déjà fait porter plusieurs fois dans mon téléphone et si vous regardez, ben, pour moi, elle n'a pas bougé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur le long terme, ces coques-là. Mais je les trouve vraiment de bonne qualité. Après, je pense qu'elles sont facilement cassables, mais de bonne qualité malgré tout. Et donc, j'ai reçu mon boubou. Je le trouve trop mignon. Et voilà, j'ai vraiment, mais vraiment hésité à le prendre. Je me suis dit, tu prends, tu prends pas, tu prends, tu prends pas. Je me suis dit, ouais, c'est 1,40€ et tout. Mais au final, j'ai décidé de pas le prendre, d'être raisonnable. Et je l'ai reçu en cadeau. Mais trop happy, quoi. Pas compris pourquoi.
Et après, j'ai reçu ces deux autres-là, donc qui sont moins mignonnes, mais qui sont encore du Dr. Who. Donc le TARDIS comme ça, et le TARDIS comme ça. S'il y en a une que j'aime moins, c'est celle-ci. Mais voilà, je vais pas me plaindre, ce sont des cadeaux. Donc toutes ces coques-là, je les ai achetées sur AliExpress à 1,40€, sans frais de port gratuit. Voilà, donc ça valait le coup. C'est pour ça que je les ai prises, et voilà, j'en ai pris 4. Bon, 1,40€, ça m'a pas coûté des 100 et des 1000, moins de 10€ quoi. La présentation de mes coques est terminée, j'espère que elles vous auront plu. Vous savez, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de Doctor Who, bah, comme j'en ai eu de gratuites, bah, c'est un ravout. Je suis pas du tout fan de cette série actuellement, vraiment. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!